petit pote et bienvenue pour ce début de semaine avec Miss Alexis, Mister Emmanuel, Miss Sylvie et Monsieur Grégory. Attention, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le standard est ouvert pour partager jusqu'à 20 000 euros. Et attention, pour ce chassé-croisé de l'été, c'est la première question. On recherche une petite rondelle. Quelle petite rondelle? Sylvie. 14 juillet. Rondelle. La rondelle du 14 juillet. Qu'est-ce qu'il y a? 14 juillet. 14 juillet, c'est une rondelle. La rondelle. La rondelle, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez dire? La rondelle qu'on distribue au 14 juillet. On distribue des rondelles le 14 juillet. De saucisson. De saucisson? Oui. Mariton, connaissez-vous cette tradition? Ah, je ne connaissais pas. Non. Alors, il faut. Je connais les toutes petites rondelles, les confettis. Oui, les petites rondelles. Non, mais ça n'a rien à voir avec cette rondelle-là. Tout va bien? Ça va aller. Ça va aller. Vous venez d'où, Sylvie? De Cézanne. Dans la Marne. La Marne est parmi nous, merci. Champagne-Ardenne. Champagne-Ardenne, merci Sylvie. Non, je suis désolé, non, ce n'est pas... Non. Quelle petite rondelle, Alexis? Citron. Citron, rondelle de citron. Très bien, mais non. Oh, mince. Désolé, on éteint Alexis. Emmanuel. L'hostie. Non. Non, mais quand même bien tenté, l'imaginaire est fertile. Petite rondelle et Grégory. Un joint. Un joint. Un joint. J-O-I-N-G, un joint. Un joint. Le fameux joint. Voilà, vous venez d'où? D'Agen, du passage d'Agen. D'Agen, le passage d'Agen est parmi nous. 47. Comment? 47. Le 47. Le 47, oui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le joint. Le joint. Je suis désolé, mais c'est bien tenté parce que c'est une petite rondelle en caoutchouc, mais ce n'est pas le joing. Petite rondelle en caoutchouc qui sert à réparer. Alexis. Rustine. Une chambre à air de bicyclette, c'est la rustine. Ça va, Alexis? Super. On joue pour les 20 000 euros oui. À se partager avec un téléspectateur. Et à ce propos, hier ont été gagnés 20 000 euros à se partager avec le gagnant. Regardez qui s'affiche. Alors, la rustine tire son nom de Louis Rustin, son inventeur. Louis Rustin, l'inventeur de la rustine, vous rapporte un petit pote. Bravo vous. Attention à la prochaine question. Quel pays composé d'îles? I-L-E-S, Grégory. La Grèce. Comment? La Grèce. Pas mal joué. Et dis donc, il est rapide, hein, Greg. Hein? Ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Greg? Je travaille dans un supermarché. Je suis aux fruits et légumes. Aux fruits et légumes. Voilà. Et en plus, vous n'êtes pas très loin de Marmande, le pays de la tomate? Voilà, tout à fait, ouais. Juste Marmande, à côté. Juste à côté. Bien. 54 kilomètres. Merci d'être venu du joli sud-ouest. Un pays, non, ce n'est pas la Grèce. Pays composé d'îles, Alexis. L'Espagne. Composé d'îles? Ah ben avec les Baléares. C'est vrai, mais non, c'est pas l'Espagne, mais c'est bien tenté, effectivement. On éteint donc Alexis. C'est l'Empire des Cerisiers, oui, Grégory. Les Caraïbes? Non, Empire des Cerisiers, non, Grégory. Oui, car les Caraïbes, ce n'est pas un pays. Ouais. Effectivement, pays composé d'îles, Empire des Cerisiers. Emmanuel? L'archipel des Seychelles? Les Seychelles? Les Seychelles, non, les Seychelles, non. Sylvie? Bahamas. Bahamas, Cézanne, non. C'est également l'Empire... Greg. Le Japon. Empire des sushis et du soleil levant. Et alors vous, c'est de la culture, hein, parce que là, bravo. Merci. Hein. Merci. Très bien. Ah ouais, ça va. Vous êtes venu avec qui, Greg, à midi? Avec mon ami. Qui se prénomme? Sébastien. Un copain, Seb. Salut Seb, bonjour à vous. Excellent à vous. Le passage d'Agen, un pote. Question suivante. Qui peut soigner les maladies? Greg? Le médecin. Trop facile, le médecin. Les maladies, Alex? Un ostéopathe. Ostéopathe, oui, mais ce ne sont pas ces maladies. C'est pas des maladies de l'homme, c'est des maladies du meilleur ami. Vétérinaire. Du meilleur ami de l'homme, il est très rapide. Ouais, le vétérinaire, vous êtes sélectionné sur la marche à 3, oui. Je le frappe et je l'attrape et c'est beau, quel joli geste. On revient.
ce geste au ralenti. On se tape dans la main. Et on est le premier sélectionné. Bravo. Ça va très vite. Attention à la prochaine question. 20 000 euros à se partager. On recherche un symbole omniprésent dans la vie quotidienne. Emmanuel. Le yin et le yang. Le yin et le yang. C'est un symbole. Et le yang. Et le yang. Bah, et donc, quel est le symbole de yin et le yang? Il y a ce, si vous voulez, le symbole féminin et masculin, le chaud et le froid, oui, liés entre eux. Le complémentaire. Voilà. Le yin et le yang, vous venez d'où, Manu? De Douai. Le nord est près de Lille. Ce n'est pas le yin et le yang, quel signe omniprésent dans la vie quotidienne? À 13 chiffres. Ah, très, très important indice. Ce symbole a 13 chiffres. Il sert à lire, mais pas n'importe quoi. Il sert à lire les prix. Alex, attention. Le code barre. Les prix d'un produit au supermarché, c'est le code barre. Heureuse, vous êtes sélectionné. Oh, oh la chute. Oh là là, oh là là, oh c'est énorme, oh, oh je suis, oh non, je me suis dit qu'un jour, non, oh la chute que l'on revoit, on la revoit repasser au ralenti, les, oh là là, c'était du direct, on la revoit et revoit encore, c'est beau. Elle est sélectionnée sur la marche à trois. Oui. Attention à la prochaine question. On respire et on souffle. On souffle et on respire. On recherche un jeu dont l'origine est controversée. Quel jeu dont l'origine est controversée oppose deux adversaires? Qui doit Emmanuel? La boxe. Un jeu de boxe, oui. Un jeu, c'est un sport plutôt, la boxe, sport, non? On n'est pas dans le jeu-jeu. Oppose deux adversaires qui doivent... Oui, il a repris la main, Manu. Les échecs. Qui doivent capturer des pions pour mater un roi sur un échiquier. Manu, très bon. Rapide. Doué. Un pote. Et là, Sylvie, il faut y aller, hein, du côté de Cézanne. Ouais. On vous regarde du côté de la Marne. En sachant que mon petit pote, je suis désolé, t'as pas le droit de jouer. Je sais, c'est un peu compliqué. T'aimerais bien jouer, mais tu peux pas jouer. Je suis désolé. En revanche, tu peux dire à tout le monde de téléphoner. Ça, il n'y a aucun problème. 3680, ça, c'est possible. Tu peux dire aussi aux gens que sur le TF1.fr, on peut jouer pour gagner sa place à mes côtés à la rentrée, parce que nous serons à la rentrée de septembre sur TF1. Et ça, c'est super chouette. C'est tout ce que j'avais à te dire. TF1.fr, on joue pour gagner sa place, pour me rejoindre sur le plateau. Avec grand plaisir, j'aurai la joie de vous retrouver à la rentrée. Attention à la prochaine question, on recherche une spécialité régionale. Manu. La choucroute. De quelle région, je sais pas, mais la choucroute. Si, de la choucroute d'Alsace, mais... Oui. La région, je sais pas, après. Ce n'est pas la choucroute, mais c'est bien dindé. Donc, une spécialité régionale. Sylvie. Lasagne. Lasagne. C'est plutôt l'Italie. On est plutôt en Italie. C'est une région française. Et c'est une spécialité... Oui, Manu. La raclette. Ah ouais. Spécialité. Ouais. Ah ouais. Pourquoi pas. Mais non. Vendu dans le monde entier. Sylvie. La fondue. Eh ben c'est fondue la réponse. Parce que c'est pas la bonne. Non, vendu dans le monde entier. Spécialité régionale tire son nom d'une ville. Une ville des Charentes. De Charentes d'ailleurs. Une ville de Charentes vendue dans le monde entier. Spécialité régionale. Ah. C'est une liqueur indigestive, baryton, c'est ça? Oui, Sylvie. Le cognac, oui. Oui. Un
pote pour Sylvie. Et là, je respire fort, car il n'y a plus qu'une seule place sur la marche à trois. Pour l'un de vous, soit le Nord, soit Cézanne Lamarne, on va rechercher un mannequin. Quel mannequin au féminin? Quel le mannequin, Manu? Carla Bruni. Comment? C'est un ancien mannequin. Carla Bruni. Carla Bruni. Carla Bruni. Excusez-moi. Je vois qu'en régie, on est en train de rire car, mesdames et messieurs, on revoit la chute d'Alexis. Et oui, oh, le beau geste. Regardez. Elle est là et hop, elle s'arrête. Aïe, aïe. C'est trop dur. Oh là 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 là. C'est... Arrêtez maintenant. Oh, et puis, oh, et on voit la chaussure qui saute, qui s'envole et qui retombe. On ne s'en lasse pas. Merci Alexis pour ces images très parlantes. C'est que du on cherche donc un mannequin. Quel mannequin chanteuse. Carla Bruni, on l'a déjà dit, hein, Emmanuel. Hein. Chanteuse à 16 heures. Actrice également. Actrice, mannequin, chanteuse. Blonde. Mannequin, chanteuse. Actrice, blonde. Manu. Elle chante pas, mais Claudia Schiffer. Elle est pas française. Elle est pas française. Claudia Schiffer, non, je suis désolé. Chanteuse. Riche héritière d'un empire. Hôtelier. Sylvie. Paris Hilton. Sylvie Paris Hilton. Faites attention, il y a une marche. Je voudrais ensemble qu'on applaudisse quand même le grand Emmanuel, l'ami Manu de Douai qui était avec nous à midi. Merci à Manu. Sur 100, non, ça c'est pas, les hommes c'est pas possible ça. Sur 100 hommes, combien se sont déjà cachés pour échapper à une tâche ménagère? Non, ça c'est pas possible. Non, 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 c'est jamais caché. C'était caché? Et je dis, non, c'était caché. Vous êtes déjà caché, Greg, ou pas, franchement? Non? On s'est jamais caché. Non, non. Et dans la série, on n'a pas échappé à un truc, vous avez pas échappé à quoi, vous, Greg? À l'orage. À l'orage? Ouais. Vous avez pris la foudre? Non, heureusement. Non, en fait, ça remonte à 2 ans. Oui. J'étais parti avec mon ami justement à Biarritz, enfin oui. Hyundai, en camping. Et puis, bon, ben, on sort en boîte et tout. On rentre au camping vers les coups de 2h du matin. Oui. 2h du matin, on cherche la tente. Plus de tente. Et pourtant, il y a une grosse tente, quoi. Elle est visible. Oui. Mais il y a eu l'orage, la faute. Elle est partie. C'est pas vrai. Si. Mais donc il a fallu à 3h, 2h, 3h du matin chercher avec une lampe partout, chercher... Ah ok d'accord. Ouais voilà, c'était ça. C'était un peu ça. Pire même. Pire. Ouais. Ok, bon bah écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Dommage. Vous avez répondu combien? 78. Ils se sont cachés pour une Ouais, ouais, ouais. Non. Les trois quarts des hommes sont comme ça. Mais je pense. Est-ce que vous-même, à la maison, vous mettez la main à la pâte pour les tâches ménagères ou pas? Bah ouais, je vis tout seul, donc oui. Ça serait un peu dur, sinon, ça serait un peu... Je comprends. Ouais, ouais. Très bien. Alexis, vous avez répondu combien? Vous n'avez pas fait mal au genou, au moins? Non. C'est sûr, hein? Oui. Bon, très bien. Vous avez répondu combien? 65. 65? Oui. Dans la série, on n'a pas échappé à quoi? J'ai pas échappé à une punition de mes parents. Non. Si. Il y a longtemps? Oh oui, il y a très très longtemps. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui, Alexis? Avec ma maman et ma mamie, là-bas. À 3 générations, bonjour. Voilà. Mesdames. Et alors, racontez-moi. Et bien en fait, il s'agissait d'une petite dispute avec ma sœur, oui. Parce que ma sœur est fan de Madonna et elle mettait toujours Madonna très très fort. Oui. Ma sœur est mon aînée de 8 ans et demi. Mmh. Et ben en fait, elle m'énervait avec Madonna. Mmh. Donc je lui disais, arrête de mettre la musique si forte, ça m'énerve, baisse un peu. Bien. Ça lui a pas plu. Elle a pris ma cassette de David et Jonathan. Non! Si! David et Jonathan! Oui, nos idoles! Voilà! Attendez, vous vous rappelez tous de David et Jonathan? Ah bah oui! Ah, et alors, il y a... Eh oui, mais bien sûr! Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Attendez. Et alors? Et alors?
d'ailleurs. Oui. Elle a tiré la bande. Elle a tiré la bande. Oui, et elle l'a coupée sous mes yeux. La cassette de David et Jonathan. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait, Alexis? Alors, ben moi, pas contente. Je suis allée dans sa chambre et j'ai déchiré des posters de Madonna. C'est très bien. Voilà. Puis après, on s'est un petit peu chamaillé, donc je lui ai mis un coup de boule. Alexis, quand elle met des coups de genoux, des coups de boule. Et alors, Alexis? Eh ben alors, ma sœur, elle a rien trouvé mieux que d'aller cafeter. Tadam. Voilà. Alors, du haut de l'escalier, maman, papa, elle m'a tapé, elle m'a mis un coup de boule. Et au final, j'ai pris pour tout le monde. Moi et elle. C'est dur, hein. Alors, on dit que les petits derniers sont les chouchous. Ben, c'est pas vrai. Un message à votre grande sœur. Virginie, bisous. Je t'aime très fort. Et au revoir, Madonna. Très, très bien. Sylvie, vous, ça vous fait penser à quoi Alors, moi, dans mon salon de coiffure, mon fils arrive... Vous êtes coiffeuse? Oui, je suis coiffeuse. À Cézanne? Oui, à Cézanne. Oui. Un soir de réveillon, donc en 2008, là, c'est pas très vieux, je finis de coiffer une cliente pour faire le réveillon le soir, avec des paillettes et tout ça. Mon fils arrive, tout content, et il voit la dame se lever et il dit... On croirait la tour Eiffel. La dame, la cliente. La dame, oui. Elle brillait. Elle était en train de elle étincelait, oui. Elle scintillait. Alors il lui a dit, mais tu sais, hein, ce soir, faut que tu te mettes une chemise de nuit bleue avec des étoiles jaunes. Oui. Tu ressembleras plus à la tour Eiffel. C'est mignon quand même. Ah oui, alors là, j'ai pas échappé à ça. Je me doute. Bien. Mais la cliente était très contente et elle a pris ça avec le sourire. C'est grand, tant mieux. Alors Sylvie, vous avez répondu combien? 59. 59. À réponse à la question, 29% des hommes ont déclaré s'être déjà cachés pour échapper. Sylvie, avec tout ça, vous êtes la plus proche de la réponse. Le passage d'Agen, le petit pote, prend le passage de la sortie, mais reste avec nous, puisque maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la question C.O. Aïe, aïe, aïe. Q-U-I-N-E, c'est la question. Dans la série Fais-moi l'amour, pas la guerre, Alexis, dans la série Faites l'amour, pas la guerre, si je vous demande une petite anecdote. Donc, quand j'habitais chez mes parents... Il y a combien de temps? Il y a au moins 7 ans. Quand même. Oui. 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 Donc, on n'allait pas être chez mes parents, bien entendu. Mon mari, à l'époque, habitait un peu trop loin. Donc, on s'est dit, derrière, il y a plein de forêts. Mes parents habitent en campagne. Donc, on s'est dit, on va aller dans la forêt. Oui. Mais tout s'est très bien passé. Impeccable. Mais en rentrant à la maison, je m'étais fait dévorer par les moustiques. Oui. Et en plus, j'ai attrapé des champignons. Des grosses plaques rouges. C'est pas vrai. C'était l'automne et il y avait des champignons. Oui. Vous aviez des girolles sur le corps. Des bolets, des cèpes, des trompettes. Oh, tu as une trompette de la mort. Tout ça. Et alors? Et alors? Ben, qu'est-ce que je dis? Je dis, oh, maman, j'ai des plaques sur le corps. Oui. Ben, t'as été où? Oh, ben, on est allé faire un tour dans les bois. Oui. Et alors, ça s'est fini comment, l'histoire? Ah, ben, avec de la crème et puis des comprimés. Ah, OK, rien de grave, trop grave. Non. Mais quand même. Non. Grégory, petit moment, faites l'amour. Ouais. Petit moment, coquin, câlin, Greg. Ben, je rentrais de boîte avec mon ami. Oui. Donc, on commence à faire nos affaires tranquillement. Vous faites vos affaires pour partir? Ouais, non, pour... justement, pour aller plus loin, pour faire l'amour. Très bien. Le truc, c'est qu'il commençait à faire un peu jour, oui. Donc on voyait quand même un peu de la chambre. Donc on était sans drap, sans rien, bien tranquillement sur le lit. Et d'un coup, ma mère qui ouvre la porte et qui reste figée pendant au moins 10 secondes devant nous. Alors moi, j'étais là, j'étais en pleine... Enfin, me voyait, quoi. Elle ne bougeait pas. Oui. Elle ne voulait pas partir, quoi. Et comment elle s'appelle, maman? Annie. Annie. D'ailleurs, je te fais le gros bisou. Oui, oui. Annie est restée là. Et elle est restée là, ouais. 10 secondes. Enfin, au moins 10 secondes. Moi, ça m'a paru une heure, quoi. Et alors, comment ça s'est fait? Une fois qu'elle a réagi, qu'elle gênait un peu, oui. Et surtout que moi, j'arrivais pas à attraper la couverture et du tout, et bien, elle a fait réagir et s'est dit, oh là, il faudrait peut-être que je sorte. Mais elle s'est retrouvée bien comme une andouille. Non, mais je veux dire... Une fois qu'elle a récupéré, je suis sorti, une fois que ça allait mieux, quoi, je suis sorti et puis oui. J'ai pu lui rendre ses clés. Elle était contente. Je comprends. C'est la question coquille.
Et là, ça commence à bouger très très fort dans le public. Sur 100 femmes, combien ont déjà offert un bon manuel à un nul sexuel? Sur 100 femmes, combien ont déjà offert un bon manuel à un nul sexuel? Le sexe pour les nuls. Alexis me dit... 23%. Sylvie, vous avez déjà offert un cadeau? Non. Jamais? Non. Ok. Sylvie, vous avez répondu combien? 20. 20% ont déjà offert un bon manuel à un nul sexuel. Greg? Voilà. Ouais. Moi, 6. 6 seulement? Ouais. Ça veut dire que... Bah... Hein? Ça le fait pas comme cadeau, quoi. Enfin, je sais pas. Mais moi, je... Ouais, non, non, mais chacun... Je me disais peut-être un peu que... Pardon, Alex? Ça peut être une blague. Ça peut être une blague. Enfin, je sais pas si on doit bien le prendre, le coup de la blague, non. Ouais. So, enfin, Greg? On verra bien. La réponse est... 4! Oui, Greg! Oui, Agen! Non pour Alexis. Ah, mais nous allons maintenant parler de Monsieur Johnny. Ça ne finira jamais, on me fera la route, je te le promets. Johnny Hallyday. Écoutez bien la question. Sur Internet, combien de sites web sont entièrement consacrés à notre ami Johnny Hallyday? Sur Internet, combien de sites web sont entièrement consacrés à Johnny Hallyday? Alors évidemment, parmi ces sites, tous ne sont pas officiels. Bien sûr. Sylvie, vous répondez combien? 62. 62 sites web. Alexis? 7000. Bah, il est international. Aïe, 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 Greg! 529, je crois. Ah, 529 aussi, c'est quand même... Bah, dans les... Oui, c'est une star internationale, donc... Ouais. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de fans et tout ça, il y en a partout. Donc. La réponse est de combien? Et oh, 567. Oh. Greg et Sylvie vont continuer notre émission, et pour Alexis, désolé... Le cadeau de l'été, Mariton. Oui, attends, un caméscope mini DV avec un capteur CCD haute résolution et un stabilisateur numérique. Sympa comme cadeau. Ah bien, ça merci. Vous fait plaisir. Je vous faire la vie. C'était vraiment un grand plaisir. Merci à vous. Merci. Je regardais le score 0-0. Mais là, il va falloir faire preuve de sang-froid. Car celui ou celle qui gagnera ce face-à-face pourra prétendre aux 20 000 euros à midi. En revanche, si vous ne gagnez pas, vous le savez, ce face-à-face, quand même, vous pourrez tenter les 10 000 euros. Très important de gagner ce face-à-face pour mettre le premier ou la première, le pied sur l'escalier, nous sommes d'accord. Cézanne vous regarde, Sylvie, 45 secondes sont là et je dis top. La chanson Auprès de ma blonde rend hommage à une femme ou à une bière? Une femme. Top. Oui. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon. Attention, top. Dans quoi immerge-t-on un sous-marin? À la mer. Oui, dans l'eau, très bien. En voiture, le coup du lapin fait mal au cou ou au lapin? Au cou. Mais oui. Quel duo malien a invité M à chanter avec eux sur Ma cité l'a dit? Je passe. Amadou et Mariam. Top. Ma cité l'a dit. Attention. Top. Le contraire de l'adjectif pathétique est éthique. Vrai ou faux? Faux. Mais bien sûr, c'est faux. Quel beau gosse espagnol séquestre Victoria Abril dans le film Attache-moi? Je passe. Antonio Banderas. Top. Bon anniversaire, Antonio. C'est son anniversaire. Feliz. Et oui, qui allez-vous dans les journaux? Qu'en a-t-il? Il a exactement 49 ans. Merci, 49 ans. Antonio Banderas, et je dis top. À quel mollusque à coquille compare-t-on la disposition des arrondissements de Paris? Je passe. Un escargot. Selon l'expression, à quelle sorte de forêt associe-t-on la loi du plus fort? Je passe. C'est la loi de la jungle. Aïe, 4 points tout de même. Dans la jungle, il
faut gagner ce face-à-face. Greg, le passage d'Agen, ouais. C'est loin d'Agen ou pas? Ah non, c'est juste à côté. Il y a juste la Garonne à traverser. La Garonne est à traverser. Voilà. Et là, il faut maintenant traverser 45 secondes avec brio. Léger comme une plume. Restons concentrés. Top! Une agence de presse est une fabrique de jus d'orange, vrai ou faux? Bien. Au tennis, qu'est-ce qui peut se faire à la cuillère? Un match? Non, un service. Quel contraire de sortie est noté sur une touche d'entrée? Oui. Quel tube des Jackson 5 a pour titre le début de l'alphabet? Je passe. Top! Écoutez bien la question, parce que si je vous dis quel tube des Jackson 5 a pour titre le début de l'alphabet, c'était... ABC, ABC. Oh yeah! Oh. Attention! Top! On sort plus facilement du système scolaire ou du système solaire? Scolaire. Eh oui, scolaire. Quel est le plus grand état d'Océanie? L'Australie. Top! Il est très très fort, c'est l'Australie. Alors là... Et je dois vous avouer que ça fait plusieurs fois que je vous y prends. Oui. En avant-marche déjà, vous avez répondu à des questions de culture. Je dis bravo à vous. Top! Qu'est-ce qui peut être des maths ou du dromadaire? Je passe. La bosse. Quel mot anglais désigne une réunion ou une compétition sportive? Un meeting. Oui. Quand on a de bons revenus, on est un bon parti, vrai ou faux? Vrai. Oui. En France, quelle unité de mesure utilise-t-on pour indiquer la température? Celsius. Oui. Citez une pièce d'un échiquier que l'on peut déplacer en premier. Une dame, une tour. La dame, non, c'est un pion ou un cavalier. D'accord. Mais quand même, 7 points, il s'envole tel un cavalier seul. Oui. C'est très bon. Cézanne, prends la main. Cézanne, ouvre-toi pour 45 secondes en vous rappelant, bien sûr, que le standard est ouvert, comme vous le savez, au 36-80, pour partager jusqu'à 20 000 euros. Vous répondez à une question et c'est un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ça pourrait faire du bien à tout le monde pour la rentrée bientôt, mais pour l'heure, on est encore en vacances, on prend le temps. Top! Dans les casinos, on a le droit de flamber, mais il est interdit de fumer, vrai ou faux? Faux. Top! Dans les casinos, on a le droit de flamber, mais il est interdit de fumer. Et non, c'était vrai. Ah. Attention! Top! Quelle boisson est le Riesling? Vin blanc. Oui! Quel animal est le martin pêcheur? Un oiseau. Oui! Qu'est-ce qui est psychédélique dans une chanson de Thierry Hazard? Je passe. Top! C'était la poupée! C'est ma poupée, ma poupée psyché, ma poupée psyché. Attention, ça rappelle des souvenirs quand même, hein? Toujours été... top! Le pluriel de people et pipo, vrai ou faux? Faux. Mais bien sûr, c'est invariable. Quel genre de personnages merveilleux sont Mélusine et Carabosse? Des fées. Oui! Quel pays d'Europe est appelé Spain par les Américains? L'Espagne. Oui! À quel organe les bronches apportent-elles de l'air? Poumons. Oui! La Naine Blanche est un dessin animé de Walt Disney, vrai ou faux? Faux. Bien, c'est une petite étoile. Selon la série X-Files, la vérité est ailleurs ou y a que la vérité qui compte? La vérité est ailleurs. Eh ben, eh, belle deuxième manche, 12 points. Et là, vous avez été très vite. Vous aviez un joli entraînement. Alors Jean-Luc, je vais revenir un instant sur la Naine Blanche. Oui. Une étoile en fin de vie, après avoir explosé, il reste ce qu'on appelle une Naine Blanche. Très gentil d'éclairer notre petite étoile de la connaissance. Merci à vous et à toute l'équipe éditoriale derrière vous. Je vous laisse concentrer. Valence d'Agen, Agen, le passage. Grégory, on rappelle votre métier. Je travaille dans un supermarché, pardon. Oui. Dans les fruits et légumes. Les fruits et légumes, voilà. On est ensemble et on essaye de dépasser 12 points en moins de 45 secondes. Vous en avez 7 au compteur et je dis... Top! Quel petit personnage bleu créé par Peillon? Oui, les schtroumpfs. Quel mot anglais désigne un mélange de boissons et peut-être Molotov? Un coltef. Oui. Coltel. De quel groupe de rock reformé après 5 ans d'absence, Gwen Stefani est-elle la chanteuse? Je passe. No Doubt. Jean Marais est le héros de La Belle et la Bête ou La Belle et le Clochard? La Belle et le Clochard? Non, La Belle et la Bête. Et non? Oui, non, mais... Film de Jean Cocteau. Oui, bien sûr. Belle et le Clochard...
C'est autre chose, c'est Walt Disney. Oui, oui. Effectivement, nous voyons sous les caméras de Didier Fraisse, Jean Marais. Jean Marais. Merci beaucoup, Barito. Vous faites très très bien, Jean Marais. Je n'étais pas au courant. Vous faites également la bête ou... Je suis la bête, ma belle. Merci, à tout à l'heure. Attention. Top, quel coquillage délicieux avec des frites, un mytiliculteur... Moules. Oui, les moules. Quelle charpente soutenant le corps humain est formée par l'ensemble des os? Je passe. Le squelette. Quand Game Over s'inscrit sur l'écran d'un jeu vidéo... Il s'achève ou il débute? Il s'achève. Oui. L'eau peut contenir du chlore et rester potable, vrai ou faux? Vrai. Bien. Quand on est dans un état second, quel revêtement de sol dit-on avoir fumé? Monquette. Vous avez gagné sur la monquette. Vous montez sur la première marche. Pour avoir la foi, il faut être charbonnier. Pour avoir la chaussée, il faut être cordonnier. Pour séduire la foule, pour chanter la pêche au bout. Pour rester là, Sylvie, on ne sait jamais. Et c'est comme ça, on y soit qui mal y pense. Pour souffrir en silence, ça sert à quoi. Allons faire un tour à Monaco. On joue pour 20 000 euros. Oui. Ok. Essayons de nous concentrer. Surtout, ne glissez pas. Gardez bien la main sur la rampe de l'escalier, car si vous répondez faux, vous le savez, c'est le chassé-croisé. Albert de Monaco a 4 neveux et nièces ou 7 neveux et nièces. Aucun bruit dans le public, car une erreur serait fatale. 4. Vous dites 4. Oui. Aujourd'hui, en cette Saint-Laurent, Albert de Monaco. On pense tout de suite à Caroline et Stéphanie, hein, Bariton, c'est ça? Oui, les deux sœurs, parfaitement. Stéphanie a combien d'enfants, Stéphanie de Monaco? Stéphanie a 3 enfants. 3 enfants. Sylvie, vous auriez dit 4? Non. 7. Vous auriez dit 7? Oui. Caroline a... 4 enfants. Aïe, 4 aïe, plus 3, 7. Je suis désolé, et c'est le premier chassé-croisé de l'escalier. Venez sur la deuxième marche. Dans la mesure où vous n'avez pas gagné le face-à-face, on joue pour 10 000 euros. Mais attention, rien n'est pas tout jamais perdu, et rien n'est pas tout jamais gagné non plus. Car l'un avance, l'autre recule, ça peut être le jeu de la bascule. Concentrez-vous, ne ratez pas cette deuxième marche. Au mois d'août, au pôle sud, au mois d'août, là maintenant, au pôle sud, la température moyenne est de 0 degrés Celsius ou de moins 60 degrés Celsius? Je dirais moins 60. Vous diriez moins 60. Est-ce que notre ami de la marche d'Agen serait d'accord, ce passage d'Agen? Oui, j'aurais dit pareil. On aurait dit pareil. Au mois d'août, au pôle sud, comment ça marche, Bariton? Eh bien, le pôle sud, donc l'Antarctique, c'est l'inverse du pôle nord. Au mois d'août, c'est l'hiver. Et donc? Il y fait en moyenne moins 60 au pôle. Sylvie reste sur l'escalier, j'espère encore un moment. Vous montez sur la troisième marche. Et c'est là où tout se joue. Car si vous répondez bien, vous montez à mes côtés pour la dernière question et pour les 10 000 euros. En revanche, si vous ne répondez pas bien, c'est l'ami Greg qui montera sur la dernière marche pour les 20 000 euros puisqu'il a gagné le face-à-face, on est d'accord? Question donc, 14% ou 94% des Français, 14% ou 94% des Français se disent prêts à mentir sur leur parcours professionnel lors d'un entretien d'embauche. 14% ou 94% des Français sont prêts à mentir sur leur parcours. Je vais tenter 94. On tente 94. C'est un moment très, très, très important entre vous et nous, Grégory. Je
Est-ce que vous auriez opté pour cette réponse-ci ou 14%? Je crois que j'aurais dit 94 aussi, ouais. Je pense. Attention, car si ce n'est pas la bonne réponse, c'est le dernier chassé-croisé. Et en ce cas, Grégory monterait pour 20 000 euros sur la dernière marche. Mesdames et messieurs, bel été, été dans la bonne humeur, dans la joie et la gaieté. Effectivement, en haut de l'escalier, Cézanne est parmi nous et Sylvie, pour garder votre place à mes côtés sur la dernière marche, il faut avoir bien répondu à la question que Bariton va réitérer maintenant. Bariton, quelle était-elle ? 14 ou 94% des Français se disent prêts à mentir sur leur parcours professionnel lors d'un entretien d'embauche. C'est une enquête du Pôle emploi lors de sa création auprès des demandeurs d'emploi en début d'année. Vous avez répondu, Sylvie, combien ? 94. Grégory, vous avez gagné le face-à-face. Est-ce que ce va être le dernier chassé-croisé de la matinée pour accéder à la dernière marche ? 94% des Français se disent-ils prêts à mentir pour décrocher un job ? La réponse est... Oui ! Ouais ! Grégory, vous montez ! Vous montez à mes côtés, Greg. Sylvie, quand même, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Ça me rassure pour les Français. Regardez, face juste là, on va vous offrir un cadeau. Ça me rassure quand même qu'il n'y ait que 14% des Français qui soient prêts. Oui, Bariton. Oui, parce qu'on n'a aucun intérêt à le faire, parce que s'il y a une enquête après... Obligatoirement, il y aura des recherches et des poursuites. Merci à vous, quand même. On vous offre un cadeau, le cadeau de l'été. Merci. Un écran LCD 16 neuvième de 82 cm avec son tuner TNT HD intégré. Et c'est quand même 82 cm, c'est quand même très très joli. Super. Et belle rentrée à vous. Et on va monter quand même avec le grand Grégory qui est super heureux pour 20 000 euros sur la dernière marche. Yeah. Beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est vrai que si vous voulez, il roule là, là. Oh là, ça va, Greg ? Oui, ça va, ça va. Ému, hein ? Oui, très ému. Ouh là là. C'est vrai qu'il y a eu quand même un parcours extraordinaire. Oui. Dans un premier temps, on s'est beaucoup amusé. Oui. On a ri, on a échangé. Dans un deuxième temps, vous avez raté la première marche. Vous êtes redescendu dès la première marche. Et puis, Sylvie a monté la deuxième marche, la troisième marche. Vous n'espériez plus. Non. Et grâce au chassé-croisé de l'été, vous revenez pour la dernière question et 20 000 euros. Cette question nous dit depuis combien d'années les médicaments génériques sont-ils vendus dans les pharmacies françaises ? Vous voyez ce qu'est un générique, un médicament générique ? On va regarder ensemble les propositions que la rédaction nous propose. Depuis un an ? Non, je ne pense pas. Non. On ne pense pas. Les génériques sont en vente depuis 5 ans ? Ou alors depuis 10 ans ? Ou alors depuis 15 ans ? Greg ? On rappelle la définition du médicament générique ? Eh bien, ce sont... les molécules sont déposées par les laboratoires, donc ils ont des droits pendant un certain temps. Au bout d'un certain temps, c'est dans le domaine public.
ça permet de les vendre moins cher. Oui. Et la sécurité sociale ainsi économise de l'argent. 5 ans. Vous dites 5 ans. Depuis 5 ans. Ouais. Il n'y a plus la pub, il n'y a plus le marketing. On est d'accord ? On est d'accord. Vous savez qu'on va demander l'avis de ceux qui sont restés au pied de l'escalier. Vous pouvez vous retourner juste une fois pour demander à Sylvie, qui a chuté sur la dernière marche, si elle est d'accord ou pas ? Pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Miss Alexis, important d'avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, Alexis ? Non, pas d'accord. Ah, et non plus. Après Alexis, nous avons notre ami de Douai. Douai, est-il d'accord, Manu ? Pas d'accord. Le 47 vous regarde, le Grand Sud-Ouest réuni, oui. Parce que là, personne n'est d'accord avec la réponse formulée. Je vais changer, je vais mettre 10. Vous allez changer et vous allez mettre 10 ans. 10 ans. Ben, je sais pas. 20 000 euros. Là, je dois vous avouer que c'est la somme maximale pour un téléspectateur. Je rappelle que 20 000 euros ont été gagnés hier grâce à toute l'équipe de Tournée Manège qui était avec nous. 20 000 euros à se partager, bien sûr, avec vous. Et aujourd'hui, c'est la même somme qui est mise à prix au 36,80. Vous pouvez encore appeler. On a changé et on a mis depuis 10 ans. Les génériques sont vendus dans les pharmacies françaises. Alors, on va ouvrir les portes de la pharmacie. Un an. On va ouvrir un an. Est-ce qu'ils sont là ? Si toutefois, ils ne sont pas là, on enlève à zéro. Il n'y a que 2000. Est-ce qu'il y a 2000 ou 20 000 ? Ils ne sont pas là. On va ouvrir 15 ans. On va ouvrir 15 ans. Ouais, 15 ans. 20 000 euros depuis 15 ans. Les génériques sont-ils en vente dans les pharmacies, s'il vous plaît ? Ma petite compresse, ma petite pote, ma petite hôtesse. Vous n'arrivez pas à le croire. Oui. On verra bien. Et vous allez peut-être repartir avec 20 000 euros. J'espère. À se partager. 10 000 pour vous, 10 000 pour un téléspectateur qui appelle encore. 20 000 euros. Est-ce que vous avez bien fait de changer ? On verra bien. Si il y a 4 zéros avant le 2, c'est gagné. C'est gagné. On va essayer de les compter ensemble. S'il n'y en a que 3, 2 000 euros à se partager. Vous êtes prêts ? Oui. Pour 20 000 euros, Grégory, ouais. Sous les yeux de vos amis qui sont venus, de votre famille et de vos potes qui regardent la télé, je demande d'ouvrir la porte de la pharmacie que vous avez choisie, Grégory. Regardez bien. Le 10. Wow!